Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitsou Shulchan Aruch. Siman Kuf Mem Gimel, Imnitsa Taout be Sefer Torah. Si on a trouvé une faute dans le Sefer Torah, il dit le Rav dans la Halakha Kavbet, Sofer Amagia Sefer Torah, Ometaken Bo Dibukim Upirudim. C'est Hashomar Kol Kodem Atikun, Leshem Yehud Kudushat, Sefer Torah. Mais il ne sait pas que c'est Rav Ken. ותיקן בכמה מקומות בדיבוקים ופירודים, ופעמים שינה אות ה' לאות ח' וכיוצא בזה. נכון להחמיר שלא לקרוא בספר תורה זה בפרשת זכור ובפרשת פרה, אלא יקראו בספר תורה אחר, אם לא שיחזור לתקן את כל מה שתיקן שלא לשם קדושת הספר תורה. בשאר שבתות השנה אין לפסול לקרוא בספר תורה כזה, אם אינו יודע את המקומות שתיקן. שהרי בוודאי בשעה שבא לתקן הספר תורה, כוונתו הייתה לשם קדושת ספר התורה. מאחר ולא ידוע לו איפה תיקן, יש להקל בדיעבד. הלא ידיד לו רב. אין סופר כלוי כאי רפר לספר תורה. דיביין אירוגרד סימנור, תספל סופר מגיע. אירוגרד סיללת סופת קולה. Ou la lettre est bien faite, etc. etc. Il sépare les lettres qui sont collées à l'autre. Ken, qui forment des fois une autre lettre. C'est un problème. Voilà, il n'est pas sourd. Si c'est une autre lettre. Ken, si par exemple, il y a un kaf sofit, et le lamé, juste en bas, il rentre dans le kaf sofit, ça fait un hey! Sophie, la tête du lame du lamed, elle est en bas, ça fait un et. Ron, c'est un problème. Tous ces problèmes là, mais dans le sofer, il est censé à savoir tous ces halakhot. Et juste avant que lui, que il vient réparer le sefer Torah, il faut qu'il dise les shem kdushat sefer Torah pour la kdusha de sefer Torah. Mais il maintenant lui, il savait pas qu'il fallait dire ainsi. Et déjà, il a réparé dans combien d'endroits dans le Sefer Torah il a séparé les lettres ou il a rajouté, qu'est-ce qu'il y avait un manque peut-être. Et des fois, lui, il a changé. Par exemple, c'était He. En fin de compte, ça ne devait pas être He, ça devait être Het. Alors, il a coupé un peu en haut, il a enlevé un peu, ça fait le He maintenant. Donc, avant, c'était He, maintenant, c'est He. Okay. Il nous dit, Laura, Nachon, c'est juste. D'être mahmir, d'être rigoureux, de ne pas lire dans ce Sefer Torah. Parashat Zachor et Parashat Parah. Il faut savoir, Parashat Zachor, Parashat Parah, c'est de la Torah, d'après Maran HaShulchan Aruch. Pour cela, puisque c'est des rabbins, c'est de la Torah, il faut être mahmir. Pourquoi c'est Safek de Horaïta Lechoumoa? Un Safek de la Torah, alors on est mahmir. Mais si c'est des rabbanan comme toute l'année c'est des rabbanan. Alors puisque c'est un Safek, alors, ça fait que des rabbanan les coups là. Oui. Mais pas seulement si la lettre qu'il a fait le tikkun, elle est dans Parashat Zachor ou Parah. Non. On parle en général, oui, bien sûr. Le Sefer Torah, il est ça fait kasher là. Pas bataille. Kasher. Nahon l'armir et la ikreu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire quand c'est Parashat Parah, Parashat Zachor. Quand ce sauveur lui dit, oui, Michila, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fait une bêtise. Quelle bêtise? Je ne savais pas la halakha. Il y a des sofrim qui sont censés, un sofer, il est censé savoir son travail. Il faut savoir, il faut beaucoup yirat shamayim dans le sofer. Ce n'est pas parce qu'il a une barbe, alors ça veut dire qu'il a une yirat shamayim. Yirat shamayim, c'est très 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 difficile. Shem Yishmor, des fois, si maintenant il a une mezouza, il commence à écrire une mezouza, ou il écrit même, par exemple un parchemin de téfilin. Tout d'un coup, il a vu qu'il a fait une faute. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre tout ce parchemin-là, il doit faire la gnisa. Il a perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, ce sofer-là? Maintenant, on verra son yirat shamayim. Si, maintenant, il dit, c'est ma personne me voit. Aaron, alors ça, ce sofer-là, c'est un problème. Après, c'est dommage. C'est sur sa tête-là. Aaron, qui ne paye pas là, il ne paye pas d'argent, il ne va pas payer autrement. Yirat shamayim, c'est très, très, très difficile. Ça, la yirat shamayim, nous, on doit travailler. C'est bien pas d'accord avec vous. Akol bide shamayim, chutz mi yirat shamayim. Mais je vais vous dire entre parenthèses.
C'est vrai, à Kol Midi Shamayim Chutz Midi Shamayim. Ça veut dire tout ça vient du ciel. Tout ça a été décrété déjà. On peut changer. Mais on n'a pas Moktoub. Les Arabes, ils ont Moktoub. Nous, on n'a pas Moktoub. Il y a Moktoub, il y a aussi pas Moktoub. En général, il y a Kadosh Baruch Hu, il a tracé la vie de chacun. Mais le bonhomme, il peut changer. On avait vu. Les enfants, dès Korach, bientôt c'est la paracha de Korach. Obne Korach Lometu. Les enfants de Korach, ils sont pas morts. Comment c'est possible? La Gemara, elle pose la question. Elle dit voilà, il y a un trou qui s'est fait et tous y sont tombés, tous y sont entrés dedans dans ce trou-là. La terre, elle a ouvert sa bouche, comme une sorte de bouche, là, comme ça qu'elle a montré. Bria Hadasha, elle dit la Torah. Moshe Rabbeinu a dit Bria Hadasha, c'est une créature de nouvelle. C'est pas tremblement de terre normale, c'est une bouche qui s'est ouverte. Commencez à les manger comme ça. Ils sont descendus, Haim Sheola, vivant. Non, ils disent, attends, les enfants, ils sont rentrés, même les tentes, ils sont rentrés, même les ustensiles, ils sont rentrés dedans, les chameaux qu'il avait, les ânes qu'il avait, tout son argent, il avait tout, c'est rentré dedans. Comment maintenant, venez, Koach Lometou? Il dit, Rashi sur place. Il dit, Nitzvat Seoul, quand ils ont fait Chouva, Irero Bechouva. Comment? Ils ont fait un petit maasé, la Gemara, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il vient voir son père, et comme il voit le Gdolador, il vient. Et il y a leur père à côté. S'il y a le Godolador, ils doivent se lever entièrement. Le problème, il est s'ils se lèvent entièrement, il y a leur père à côté. C'est le manque de cabot devant leur père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Mais les chamans, ils ont dit, ah, vous faites chouva. Vous avez un hirour de chouva. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas rentrés vivants sur la terre. Et d'où on voit que le chmuel à Navi, il sort d'eux. Lui vient sur la Navi. El Cana, c'est quoi? Devenez Korah. Les enfants de Korah. Et après, on a vu. Les Teilim. Comme ça, ils vont devenir Korah. Les Teilim. Alors, on voit que. Alors, il nous dit le Rav. Parashat, alors, si au niveau de Yirat Shamayim, ça, c'est l'homme qui doit travailler toute une vie entière. Et après. Quand je vous lui donne même Yirat Shamayim. C'est Yirat Shamayim, maintenant, après, ça sera Yirat Aromimut. La crainte du ciel, il y a des niveaux. Il y a des craintes du ciel que lui, il craint la faute. Il craint de faire les fautes. Il a peur. Oui, il faut avoir peur de faire les fautes. Et comme il a dit à Abaye dans la Gemara, Alevaï. Comment on dit Alevaï en français? Alevaï, c'est. Si seulement. Au moins. Au moins de craindre les fautes, de craindre Akadosh Baruch Hu, de la punition. Après, maintenant, Akadosh Baruch Hu, tu travailles, après Akadosh Baruch Hu va te donner un cadeau. Ça s'appelle Yirat HaRoméimut. La crainte de quoi? Comment c'est possible que j'ai fait une bêtise comme ça devant mon père? À papa, Akadosh Baruch Hu, c'est notre roi, mais c'est aussi notre papa. Alors maintenant, il nous dit le Rav. Alors, c'est pour cela, dans ce Sefer Torah là maintenant, c'est conseillé d'être marmire, de ne pas lire dans un Sefer Torah pareil. Quand c'est parachat pareil, parachat Zachor, puisque c'est de la Torah. Elle a seulement si maintenant qu'elle a écrit, où il nous dit l'arabe, il faut lire dans un autre Sefer Torah. Im Losh et Azor, seulement si maintenant le Sofer, lui, il sait où il a corrigé. Là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corriger, il va effacer la lettre, okay, et il va dire, ou qu'est-ce qu'il a rajouté? Il va dire, l'Eshem Gushat Sefer Torah. ובשאר שבתות השנה אסיסי לזאת שבתות ושני וחמישי על עולה שספר תורה היא לפה פסול אם אינו יודע סימנו לסופר לוי ספר לפלס לזנדרוע ואילה ואילה קוריג'ה אם אינו יודע מקומות שתיקן שהרי בוודאי בשאר שבא לתקן לספר תורה כוונתו אלא בצקוי אידי לקום זה פורקווה. Parce que quand le sofer, lui, il a réparé, parce qu'il faut savoir, Yesh Kavana, Yesh. Il y a une Kavana, ça veut dire qu'avant que tu fais l'action, tu as la Kavana pour cette action-là. Mais il faut le dire, il faut le penser. Ça ne suffit pas. Dans le Sefer Torah, il faut le dire aussi. Pour que la Kdusha, elle réside dans le Sefer Torah, il faut le dire. Il dit le Rab, Bediavad, France Priori, si maintenant il n'a pas dit les chefs, Kdushat Sefer Torah,
Il nous dit le Rav, quand même il y a Avad pour lundi, jeudi et les Shabbatot, on peut compter parce que sur ce, le fait que lui, quand lui il va réparer le Sefer Torah, c'est sûr qu'en lui venant, il va réparer le Sefer Torah. Okay? Sa kavana, elle était pour le Kdusha, le Sefer Torah. Et pas pour écrire un livre. D'accord? Et là, il est venu ici pour réparer le Sefer Torah. Et Shem Kdusha, le Sefer Torah. Puisque maintenant, on ne sait pas où il a réparé. Alors, il faut être mekelim bedi avad à cause du rond. C'est fait Torah chez les potagim. Moutar likro bo bedi avad. Que chez en sham se fait Torah chez les potagim. Moutar af levarer mikod à Torah. Que chez olim et se fait Torah caché rak bedi avad. Mikol makom et chetakent à se fait Torah et la sot botagim. Kadin. Il dit le rabbin se fait Torah. Qu'est-ce que ça veut dire tagim? Tagim, c'est les couronnes. Chat nez guess. Dans ces lettres-là, il faut mettre des couronnes. Sha'atnez Getz. D'accord? Alors, il faut mettre des couronnes. La couronne, c'est des fois trois traits en haut avec un petit rond. Ou c'est un trait en haut avec un petit rond. C'est-à-dire, comment il fait le Metayek? Celui-là qui a écrit le Sefer Torah ou le Tefilin ou les Mezuzot. Il a fini d'écrire et il prend la Mezuzah. Pour les téfilines, il donne un métayeg. Métayeg, c'est quoi un métayeg? C'est quelqu'un qui met les couronnes. C'est-à-dire que lui, quand il va prendre la mezouza, alors il va faire un petit rond et un trait. Il y en a qui font rien que des petits traits. Nous, les séfarades, on fait aussi des petits ronds, okay, pour que c'est chalet. Et il faut faire attention que le métayeg, lui, il colle le trait vers la lettre. Et puisque ça va vite, il va vite le bonhomme, c'est conseillé que le sofer, en général le sofer il veut pas travailler deux fois, mais c'est conseillé que le sofer il vérifie le parchemin après qu'il a donné au métayer. Combien de fois le sofer, lui il a fait à Gaa, il a vérifié avec un Mehachev et tout cela, et le Mehachev lui il n'a pas trouvé de problème, et après il a donné au métayer. Et le métayeg, lui, il était compétent, mais il n'était pas à 100%. Okay? Et puisqu'il fait vite comme ça, il a fait une lettre. Comme on va voir dans la halakha. Par exemple, il y a un noun. Et puis, il a fait le tiyou. Puisqu'il a mis le trait en haut, ça fait comme une autre lettre. Un lamed. Au lieu d'un noun, il y a des problèmes. Et c'est dommage. En premier, qu'il fait le tiyou. Après qu'il a fini les tiyouk, il donne les agir. Alors il nous dit le Rav, Im tigu ot nun. Excusez-moi, on a sauté une ken. Il dit le Rav, Sefer Torah, Shev o tagim, un Sefer Torah qui n'a pas les tagim, c'est moutard de lire bedi avad. C'est-à-dire, a posteriori, on peut lire dans ce Sefer Torah, chez en sham Sefer Torah, quand il n'y a pas un autre Sefer Torah, avec des tags. Moutar af levarer birkot Torah shorim les sefer Torah akasher rak bediavad. Et c'est moutar de faire la bracha sur ce sefer Torah quand on monte au sefer Torah, okay, qu'il est kasher rak bediavad. Mikol makom yesh etaken et sefer Torah. Le sefer Torah, qu'est-ce qu'il doit faire? Le rab, qu'est-ce qu'il doit faire? Le rab, il doit emmener quelqu'un. C'est lui qui les met taillés avec le Sefer Torah. Okay? Comme ça, doucement, doucement, avec les parachutes, on peut okay, lire dans ce Sefer Torah les Khatrila, pas Bediavad. Les Khatrila, ça veut dire a priori. Bediavad, c'est a posteriori. Im Teigu Ot Nun. Voilà, c'est ça que là maintenant, quand on a cette halakha qu'on vient de dire jusqu'à tout à l'heure. Im Teigu Ot Nun. Je vais Sefer Torah, Mismo Lemin. Av Shatag Asmali Asaou Keot Lamed. מותר לברך ולקרוא בספר תורה זה ולא חשיק כחול תוכל. סימנו, כמו נדיד אותה לאור, כן? כאן יא ללך נון. כמו עושה ללך נון? לא, אני חושב שזה עוד קוטע כמו שזה לבוא, זה כמו זה, כמו זה, כמו זה. נכון? אמרו, אילי פטי, אמרו, דבוע, יפה, אפילו. זה כמו כף,
Okay? Mais ce n'est pas Alkaf. Il faut que. Et moins profond. Comme ça, et plus long ici. Alors maintenant, il faut faire le tag. Un tag. Ce tag-là maintenant, okay? Où tu le mets? Il faut le mettre au milieu. Quand maintenant tu mets ce tag-là, au lieu de le mettre au milieu, tu l'as mis sur le côté, ici, vers vous, c'est ce côté-là. Alors ça veut dire le tag, il a mis ici. Ça forme une lettre lamed. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le sofer, lui, il a fini d'écrire. Il donne maintenant ce parchemin à un métayer. Le métayer, lui, rapide, il fait vite. Vous voyez une mezouza, ça lui prend, je ne sais pas, comme quelques minutes. Mezouza. Parce qu'il est, Baruch HaShem, il est moumbré. Vite, vite. Et sans faire attention, des fois, les tagim, ils ne touchent pas la lettre. C'est un problème. Il faut que le sofer, il est censé de vérifier après le tout. Combien de fois? Je vous dis, moi, j'ai une paire de téfilines ici. Ici, une paire de téfilines, un parchemin entier. Ça coûte au moins minimum 600 shekels. Minimum. Ce parchemin. Le sofer, Irei Shamay. Tamil Chakra. Son écriture, elle est belle. Il l'a donné à Metayeg. T'as vérifié derrière. C'est bon, il compte sur son Metayeg. C'est bon, il est bien, compétent. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pareil, la même bêtise. Le rabbi dit que c'est caché. Alors, il dit, ah ben, il y a des poskim, beaucoup de poskim qui disent que c'est assaut. Alors, une fois, on a posé la question à un des Gdolim. Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Il nous a dit, écoute, dans les téfilines, ne t'amuse pas. C'est ta vie. C'est ta vie. Combien de machloquettes dans cela? D'accord, c'est caché. Mais tu rentres dans un problème de quoi? Question de vie. Alors, tu peux te compter sur ceux-là qui disent que c'est caché. C'est caché. Mais si maintenant c'est un safek, par exemple. Ici, je vais raconter le cas. Le cas, il n'était pas comme il dit le rat. Le cas, il était suivant. Ils ont posé la question à un enfant. Cet enfant, il a lu. C'était pas sur le lamed, c'était sur une autre lettre. Okay? Il a lu autrement, une autre lettre. Au lieu de, par exemple, c'était un ré. Comment c'était? Quelle lettre c'était? Et lui, il a lu guillemets. Il y a un petit trait en bas, il a, avec le tag d'en haut, c'est il a lu la lettre en haut, guillemets. Un enfant qui a 5-6 ans, ça veut dire que l'autre il pêche, mais le hakim. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant que lui qui est très intelligent, que tout de suite il va comprendre, ah, non, c'est l'amen, c'est noun. Par exemple, ici chez nous, c'est la lettre noun. Il va dire, ça c'est noun. Je comprends le. Il ne faut pas que lui qu'il est un enfant, que lui qu'il est hakim, ça veut dire qu'il est très intelligent. Et il ne faut pas aussi que c'est un imbécile. Un enfant qui va être tipèche, ça veut dire que lui, il est encore un bébé, il ne comprend pas les lettres. D'accord. Tu lui dis, quelle est cette lettre-là? Si ici, par exemple, il a lu noun, même que maintenant il y a le tag. Alors c'est un noun. Et si lui, il dit, non, l'amed, il ne fait pas la différence. Mais là, c'est pas saoul. Toute la mezouza ou le parchemin des téfilines sont psoulim. Okay? Ça, c'est une grande achayot. Alors, ce sofer, tel sofer, non, il a dit, écoute, moi, je m'amuse pas. Moi, j'ai vu, il a vu ce parchemin-là. Et le problème, il était sur le taïeg. Et le problème, il était aussi sur le sofer. Parce que toi, sofer, tu es censé donner un parchemin qui est comme il faut. Quand j'achète des téfilines, j'achète chez toi, j'ai pas acheté chez le taïeg. Maintenant, ton métayeg là, maintenant, il a fait n'importe quoi. Toi, tu es censé à vérifier après cela et de dire au métayeg, tu as mal fait ton travail. Alors, il dit le rab. Im teigu ot nun. Shebesefer Torah mismol le yemin. Et ils ont pris dans le nun, ils ont commencé de gauche à droite. C'est-à-dire qu'ils ont formé la lettre. Okay. Ici, c'est vous, c'est quoi? C'est nun. Okay. Alors, si c'est nun comme ça. Alors ils ont mis comme ça, ça fait quoi? Ça fait un lamed. Et si c'est un lamed, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Il dit le rab, c'est pas toi, mais ça te met le yamin. Av shatag asmali asau kemir kiot lamed, même que le tag à gauche, ça s'est fait comme une lettre lamed. Moutar le varer, quand même, tu peux lire dans ce sefer Torah et faire la bracha. Et l'or hachib il est chok tochot. Chazak ou baruch.